Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en auteur. Le Château du Marais en Essonne, véritable joyau de style architectural Louis XVI, construit par l'architecte Jean-Benoît Vincent Barré en 1778, résonne encore des noms de la famille de Talleyrand Périgord, de Gaston Palevsky, mais aussi d'illustres visiteurs tels Châteaubriand, tous évocateurs de la diplomatie française. C'est dans ce cadre magnifique et évocateur que nous avons la chance de recevoir aujourd'hui l'historien spécialiste du 19e siècle Emmanuel de Varesquel, pour un ouvrage collectif intitulé dans les archives secrètes du Quai d'Orsay 5 siècles d'histoire et de diplomatie aux éditions l'iconoclaste. Réunis sous la direction d'Emmanuel de Varesquel, une équipe d'historiens, de littérateurs et de conservateurs a exhumé et mis en perspective plus de 200 documents historiques exceptionnels des archives du Quai d'Orsay du XVIe au XXe siècle. Occasion pour le lecteur de parcourir de manière originale, étonnante et parfois émouvante les épisodes les plus marquants de l'histoire de France et du monde. Il est maintenant temps pour nous d'aller retrouver Emmanuel de Varesquel dans la bibliothèque du Château du Marais. Emmanuel de Varesquel, bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir dans l'Essonne en auteur pour un ouvrage conséquent qui a été édité sous votre direction dans les archives secrètes du Quai d'Orsay, 5 siècles d'histoire et de diplomatie. Alors notre émission a un petit rituel en son début, elle fait toujours réagir l'invité dans le lieu qui nous accueille, nous sommes au Château du Marais, en Essonne, et ma première question sera la suivante, en quoi ce lieu, le Château du Marais, par son histoire, et finalement un lieu euh, doublement propice pour vous recevoir, vous et le sujet de la diplomatie en général. Un, un, le Marais est lié à la diplomatie euh, depuis la fin du 18e. Il a été habité par les Labriches, c'est une famille de fermiers généraux. Euh, Madame de Labriche a tenu ici un salon, on appelait ça les grands jours du Marais, euh, sous le consulat et sous l'Empire, et au début de la Restauration. Et l'une de ses filles a épousé Mathieu Mollet, qui est un homme politique... Euh, Considérable du 19e siècle, qui a été ministre des Affaires étrangères de Louis-Philippe au début de ce qu'on appelle le régime de Juillet, la monarchie de Juillet, entre 1830 et 1832. Il avait d'ailleurs comme ambassadeur, et on en arrive au deuxième personnage qui est lié indirectement au marais, parce qu'il n'a jamais mis les pieds au marais, alors que Mathieu Mollet a passé des, évidemment des, des séjours, de longs séjours au marais, le deuxième personnage c'est Talleyrand qui était ambassadeur de Londres en 1830, quand Mathieu Mollet était le ministre des Affaires étrangères de Louis-Philippe. Et Talleyrand est lié indirectement au Marais parce que le Marais a été la propriété euh, d'une arrière-petite-fille de son neveu, de l'aîné de ses neveux, euh, Louis de Talleyrand, Louis de Talleyrand. Euh, euh, qui a été son héritier, qui a hérité de Valençay et par des... Le jeu des alliances familiales, euh, les Talrand, euh, et, et il y a une femme très importante dans ces connexions-là, c'est Violette de Talrand, euh, qui, qui épouse. Euh, Gaston euh, Palewski euh, en deuxième noce. Qui épouse pour et ensuite Palewski. Et avec Palewski, on a un troisième lien avec la diplomatie, parce que Palewski, proche de De Gaulle, a été euh, euh, chargé euh, de, de, de nombre de missions diplomatiques, euh, notamment à Varsovie, en Pologne. Et donc, on est, on est ici dans un lieu qui est, qui est très lié à l'histoire des rapports de la France et du monde. Euh, en tout cas, l'histoire contemporaine, en tout cas depuis la Révolution française. Parce que je ne pense pas que les premiers propriétaires de, du marais, Jean Lemaître, qui, euh, euh, qui était trésorier de l'artillerie euh, pendant la guerre de Sept Ans, euh, aient eu, a eu des, une action diplomatique quelconque. Mais très, très vite, on tombe dans la diplomatie au marais. Et puis, euh, vous, le, vous, vous le montrerez et vous l'avez filmé. On est entouré de souvenirs euh, de diplomates et de diplomatie. Euh, Talent qui n'a jamais mis les pieds au marais euh, est incroyablement présent dans cet endroit. Pour un, un historien comme moi, euh, qui est passé tout de même près de 15 ans de ma vie à, à travailler sur lui euh, et qui est son, son biographe, venir ici, c'est toujours extrêmement émouvant et sensible. Alors, on va maintenant rentrer dans le corps de l'ouvrage et je vais vous poser une question bien simple. Comment est né ce projet Qui en a eu l'idée Et surtout, comment vous vous êtes retrouvé à le diriger Alors, vous savez, j'ai toujours été sensible à l'archive. Je considère que l'historien est un homme de traces. J'aime d'ailleurs les romans des traces. Euh, et et j'ai cette sensibilité quasiment physique, sinon sensuelle, à l'archive. Non seulement je, je pense qu'un historien ne peut pas travailler sans archive, euh, qu'elle qu soit inédite ou pas d'ailleurs, euh, mais, mais le contact de l'archive est quelque chose de très sensible. Donc je tournais autour de cette idée comment, euh, comment montrer l'archive au lecteur Et comment faire de l'archive, je dirais, un objet central de l'histoire et de l'historien et, et à la suite d'une conversation que j'ai eue avec mon éditrice, qui est Sophie de Sivry, euh, édition Les Arènes Iconoclastes, nous avons eu cette idée, euh, mais qui n'était encore qu'une idée très abstraite, euh, d'organiser un, un recueil de textes, euh, de sources diplomatiques, euh, en faisant de la source, encore une fois, l'intérêt le, le, central du oui. livre. Euh, car dans une source. Il y a la beauté de, 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 du document, euh, ne serait-ce que le grain du papier, la couleur du papier, l'écriture, les repentirs, euh, les ratures, euh, les, les annotations euh, inframaginales. Tout ça est extrêmement vivant. Vous savez, très souvent, je, je, je me suis surpris à découvrir une correspondance qui a 200 ans et qui, a, qui avait dormi dans un grenier pendant, pendant à peu près la même période de temps. Et, et, et très souvent j'ai eu l'impression de parler à, à celui qui était l'auteur de la lettre que j'avais entre les mains qui n'avait jamais plus été vue sinon par son destinataire une fois on a l'impression de sauter à pieds joints dans le temps quand on a, quelque, quand chose on a, a quelque chose de vivant dans l'archive quelque chose d'incroyablement sensible et vivant en tout cas auquel je suis sensible donc on s'est dit au fond ces, ces sources ces documents racontent des histoires mais en même temps, ont une histoire, sont des enjeux politiques, de pouvoir, diplomatiques, et donc il faut les raconter dans les deux, dans ces deux aspects-là, ce qu'ils racontent et ce qu'ils peuvent nous raconter. Alors c'est un travail collectif, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que bon déjà on voit que le livre est monumental, il retrace quand même quatre siècles de diplomatie, et donc il y a de nombreux contributeurs. Est-ce que comme ça de mémoire? Cinq siècles. Cinq siècles. Mmh. Est-ce que vous vous souvenez de combien de contributeurs euh, le livre bénéficie euh, Une quarantaine. Quarantaine de contributeurs oui, Et non des moindres, parce que ce sont de très grands historiens, pas seulement des historiens de la diplomatie. Mais, mais comme je suis un peu mixte et que j'ai toujours été attiré autant par l'histoire que par euh, la littérature et la fiction, j'ai convié un certain nombre de, de romanciers, qui par ailleurs avaient une connaissance euh, du document euh, que. Que je leur sur lequel je leur proposais d'écrire comme un garçon comme François Sureau, qui je le rappelle entre parenthèses a écrit un article sur Paul Morand il a écrit un article il a écrit un article sur Paul Morand euh, et d'autres euh, donc Michel euh, Crouzet professeur de littérature donc on voit votre intérêt pour la littérature et puis et puis de très très grands historiens Carrière Madame Carrière d'Ancos, Pierre Milza, euh, 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 Bablon et beaucoup d'autres j'en passe donc un brillant Florilège alors le livre intitulé Pour l'Empire oui, un des plus grands spécialistes. Jean, Jean Tullard pour l'Empire. Un ancien professeur. Voilà, euh... je, je, je ne peux pas les citer tous, mais ils se, ils se reconnaîtront et ils ont, ils ont, euh, ils ont brillamment contribué euh, au fait que ce livre soit vivant, car nous présentons donc des archives avec des commentaires des historiens qui les ont analysés, et mais également la transcription des textes qui se trouvent dans ces archives. Quand ce sont des correspondances, car il y a, il y a pas que sorte, des correspondances, toute sorte de, toutes sortes de documents. Les archives sont de nature très diverse. Alors le livre s'intitule « Dans les archives secrètes du quai d'Orsay euh, ». Est-ce que ces archives se trouvent euh, concrètement, physiquement, au quai d'Orsay et puisqu'elles sont dites secrètes, comment avez-vous fait pour euh, y accéder et obtenir l'autorisation de les reproduire Alors d'abord, au moment où nous avons travaillé, où j'ai travaillé, je vous raconterai comment parce que c'était très grisant, euh, <laughs> dans ces quelques 110 km de linéaire d'archives, c'est absolument oui. impressionnant, elles se trouvaient au Quai d'Orsay. Euh, depuis, elles ont été transférées à la Courneuve, ah, euh, dans le bâtiment un, qui a été construit. Dans un bâtiment qui a été spécialement construit pour les archives diplomatiques. Je dirais que ça a moins de charme, mais qu'en même temps, du point de vue de l'efficacité de, de la conservation, de l'usage des archives, de l'accueil, euh, il est vrai que la conservation des archives au Quai d'Orsay, jusqu'à ce qu'il y, jusqu qu y a quelques années, était tout de même assez, assez incommode. Et donc, il euh, euh, y a eu une négociation, y a un ministre plénipotentiaire euh, dirige le... le C'est un diplomate qui dirige le fonds des archives euh, du ministère des Affaires étrangères, et après une négociation, nous avons obtenu cette extraordinaire autorisation de pouvoir, et ça a été mon cas, euh, me promener dans les, dans les, les kilomètres euh, d'archives, inventaire en main, et pouvoir sortir les cartons et faire des choix en fonction de... Des, des, des époques, des personnages, et je dirais euh, des, des, de la nature des événements et de la nature de l'archive elle-même que je voulais sélectionner. Alors, quand vous dites comme ça, ça fait rêver tout le monde, parce que quand vous dites oh, bah, ah, mais, on m'a on laissé me promener. C'était onirique, je vous assure. Oui, mais est-ce qu'on est qu on on vous a vraiment laissé vous promener au sens où vous aviez une liberté totale de Total. consulter tout ce que vous vouliez Total. J'étais Alors... seul, avec mes inventaires dans les mains. Je sortais mes cartons comme je le voulais, sans conservateur. Oui, c'est tout à fait exceptionnel. Absolument comme si j'avais été dans un fonds d'archives privé. Dans un fonds d'archives privé, on est là, la plupart du temps seul. Le propriétaire, bon, très gentiment, vous met à disposition ses archives et on y travaille. Dans les fonds d'archives publiques, c'est plus rare. Voilà, on n'accède pas directement aux documents. Des appariteurs vous les apportent sur vos tables de travail. Là, en l'occurrence, j'étais dans, dans les cartons. Ces merveilleux cartons en moleskine rouge ou verte. Et, et je pouvais les sortir comme je voulais. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas des documents que vous avec auriez des correspondances de numéros entre les oui. inventaires, et les cartons Mais est-ce qu'il n'y a pas des documents que vous avez euh, trouvés relativement intéressants, etc., et qu'on vous a quand même empêché de mettre dans ce livre Parce que là, vous dites que vous les avez consultés librement, mais est-ce qu'il y a eu un chemin tout aussi libre de votre libre consultation mmh. à la mention dans ce livre il y a, Vous savez, il y a toujours des… Classif… C'est une loi française, ouais. des, des, euh, des archives qui sont encore classifiées, qui ne sont pas autorisées à la consultation, avec une période de temps qui tourne autour de 60 ans, et il est vrai, ça ne m'est pas arrivé euh, au Quai d'Orsay, mais il y a un dépôt annexe des archives consulaires à Nantes, et je me souviens avoir vu des cartons ben. ben Là et on m'a expliqué gentiment qu'il n'était pas encore temps. Tout le euh, monde se reportera alors à la Alors qu'aujourd'hui, alors que maintenant, je pense qu'on commence à. On commence à, on à les déclassifier. Euh, à l'époque, ce, ce n'était pas encore le cas. Euh, et puis, il y a surtout des, des archives que je regrette de ne pas avoir montrées, faute de place, parce que on a sélectionné quelques 200 pièces d'archives. On aurait pu en prendre beaucoup d'autres. Alors, justement, dans les documents qui sont présentés, je vais poser doublement ma question. Euh, quels sont ceux qui vous touchent le plus, vous, à titre personnel On imagine peut-être qu'ils ont un rapport avec le 19e, avec Talleyrand, dont vous nous avez rappelé que vous étiez spécialiste. Quel est vraiment. Si on devait en garder un, le document se trouvant dans ce livre, qui en contient presque 200, hein, plus mmh. de 200, celui qui vous touche le plus c'est pourquoi Alors là, 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 ce sont encore mes affinités littéraires qui vont, qui vont me conduire à vous dire Stendhal. Ah. Euh, Stendhal a été, comme vous le savez ou certains ne le savent pas, Consul. Euh, consul de France à Tivita, Il était à Trieste et puis a euh, les Autrichiens lui ont trouvé que cet homme de gauche était un peu dangereux. Trieste était sous domination autrichienne en 1830. Bien sûr. Il a été envoyé dans un poste très secondaire à côté de Rome, qui est Civita Vecca, où il s'est beaucoup embêté, mais où il a beaucoup écrit aussi. Et il avait un vice-consul sous ses ordres et il lui donnait des, des conseils d'ordre diplomatique. Et il lui, il lui envoyait des petits tableaux pour lui expliquer comment il fallait rédiger une dépêche. Et, et, et ce qu'il fallait dire, et ce petit tableau qu'il envoie, et que nous reproduisons dans le livre, euh, est constitué de trois colonnes. Première colonne, chose dont vous êtes sûr et que vous avez vu vous-même, chose sûre dont on vous a parlé, rumeur. C'est la troisième Exactement. colonne. Évidemment, celle fait. que préférait Stendhal. Et Stendhal en fait est là en train de lui donner une leçon de travail administratif dans la diplomatie. Et de travail littéraire. Voilà. À... Et de style. Parce qu'il procédait absolument de la même façon dans ses romans. Tout à fait. Bon alors donc on sait maintenant quel est le document que vous avez préféré et maintenant un peu les regrets. Alors quel est le document que vous auriez aimé voir figurer puis pour une raison de sélection qui n'y figure pas. Alors, je vais revenir aux grands écrivains diplomates, c'est Chateaubriand. D'accord, alors quel mmh. était ce document précis Est-ce qu'il y a un document précis de Chateaubriand que vous auriez voulu voir figurer N'importe laquelle des lettres de Chateaubriand lorsqu'il est ambassadeur à Berlin, à Londres, à Rome. D'accord, donc Chateaubriand ou rien presque. <laughs> euh, alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu maintenant concernant la diplomatie Parce que bon, c'est souvent un monde qui est un peu mystérieux pour le, le grand public. On a une idée assez relative de ce que fait un, un diplomate, mais est-ce que vous pourriez un peu nous dire euh, à partir de quand apparaît la notion de diplomatie moderne, c'est-à-dire un service de l'État euh, à la fois organisé, avec des objectifs, une méthode clairement établie, etc. C'est -ce qu quelque chose qui apparaît un petit peu sous Richelieu, par exemple. Oui, ça, le, le, je dirais le, 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 le secrétariat d'État aux affaires étrangères naît alors que naît la France moderne, avec les services administratifs de l'État, et ça naît, en, disons, entre, entre Henri III et Louis XIII et Louis XIV. Et celui qui théorise, mais il y a déjà eu énormément de textes euh, publiés sur euh, l'art de la diplomatie au début du XVIIe, à la fin du XVIe et au début du XVIIe, mais celui qui théorise le mieux l'art de la diplomatie, c'est Richelieu dans son testament politique. Alors on va l'illustrer mmh. bah, par le texte lui-même. C'est un extrait de son testament que je vais lire. Euh, et donc on va voir effectivement qu'il laisse au roi des conseils très précieux sur l'importance d'une bonne diplomatie, d'une diplomatie ouais, si bien Les souvenirs sont bons. Il, il préconise, il, 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 il considère que la diplomatie est un métier de tous les instants. Alors on va lire ce que dit Richelieu. J'ose dire hardiment que négocier sans cesse, ouvertement ou secrètement, en tout lieu, encore ouais. même qu'on n'en reçoive pas un fruit présent et que celui qu'on en peut attendre à l'avenir ne soit pas apparent, est chose tout à fait nécessaire pour le bien des États. Les rois doivent bien prendre garde aux traités qu'ils font, mais quand ils sont faits, ils doivent les observer avec religion. Un grand prince doit plutôt hasarder sa personne et même l'intérêt de son État que de manquer à sa parole qu'il ne peut violer. Sans perdre sa réputation et par conséquent la plus grande force des souverains. Alors c'est amusant qu'il donne ce conseil parce qu'il y a un autre document dans le livre avant Richelieu euh, qui concerne François Ier où on voit que François Ier fait exactement le contraire de ce que dit Richelieu. Il a fait main promesse à Charles Quint. Lorsqu'il euh, était prisonnier de voilà, Charles exactement. Quint, mais il considère que le traité de, de Madrid qu'il qu signe, si mes souvenirs sont bons, en 1556. Euh, a été signé sous la contrainte, puisqu'il était le prisonnier de, de, de Charles Quint à la suite de sa captivité de la bataille de Pavie, sa capture à la bataille de Pavie. Oui, il ne respecte rien du tout non. de ce qu'il lui a promis. Et d'ailleurs, le titre du chapitre s'appelle quand même L'honneur perdu de euh, François Ier. Bon, Richelieu et François Ier ne se seraient donc pas entendus. Alors, votre livre montre les évolutions de la diplomatie siècle par siècle. D'un mot, est-ce que vous pourriez dire, puisqu'on part du 16e pour aller jusqu'au 20e, et que le livre le fait, il y a toujours un chapitre liminaire avant les textes mmh. mêmes qui disent un peu quelle a été le, le, la tendance générale de la diplomatie par siècle. Une espèce de comme ça, tableau diachronique des évolutions de la, de la notion de diplomatie. sentiment, la diplomatie change au fur et à mesure que change le monde. Euh, D'abord, euh, du point de vue de son échelle, euh, des rapports au temps qu'on entretenait au 16e, au 17e, au 18e, au 19e et au 20e, des rapports d'espace. Euh, imaginez tout de même qu'à euh, la fin du XVIIIe siècle, il faut cinq jours pour aller de Paris à Marseille. Euh, les diplomates, euh, que ce soit dans les services euh, des ambassades ou dans les services consulaires jusqu'au 19e siècle, sont infiniment plus indépendants. Euh, les communications ne sont pas immédiates et directes. Euh, le télégramme n'existe pas encore. Il ne viendra, il n'arrivera qu'à la fin du 19e. Les fameuses dépêches, la dépêche d'Ems en On en, en, en parlera 1970, dans quelques instants. Par exemple. Et donc, euh, 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 les communications se font par la valise, la valise diplomatique, par correspondance, euh, qui mettent un certain temps. Et donc, l'autonomie de décision, de pouvoir de l'ambassadeur dans tel ou tel pays en Europe, par rapport à sa tutelle, par rapport à son ministre des Affaires étrangères, des relations extérieures comme on le disait au 19e siècle est infiniment plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et puis les relations euh, entre les pays européens étaient plutôt bilatérales alors que maintenant nous sommes dans un monde de relations bien sûr. Voilà. Donc tout change, tout change. Alors est-ce qu'il y a une permanence quand même de la diplomatie française? Je veux dire par là un style français de la diplomatie euh, auquel on associe, mais c'est un peu instinctif, euh, ce que je vais dire, tout de suite, on voit que la France a quelques quelques atouts pour être un pays diplomate. Elle a l'atout de l'élégance, elle a l'atout de sa gastronomie, de son art de recevoir, qui compte aussi quand même dans la diplomatie. Est-ce qu'il y a un style diplomatique français Là, quel vous me parlez des des, des, des des permanences dans les formes, tout à fait, absolument. Non, mais le qui fond. compte Non, mais qui compte euh, non, pas sur Elles sur le sont fond. importantes aussi sur bien le sûr, fond, mais sûr. sur les formes, oui. C'est la phrase de, de Talleyrand. Euh, euh, à Vienne en 1814, euh, il n'y a pas de bonne diplomatie sans bon déjeuner. – Voilà. Euh, – Et, et Talent était très soucieux. J'ai retrouvé une lettre, elle n'est pas là, il y a une autre lettre de Talent qui est extraordinaire à Bonaparte, mais une lettre de Talleyrand euh, Contemporaine de, de Presbourg au moment où il négocie euh, euh, la paix avec l'Autriche après l'extraordinaire victoire d'Austerlitz en décembre 1805, euh, où il, euh, il écrit à son maître d'hôtel, Louis Elbras, euh, pour lui, lui, lui enjoindre de, de lui envoyer l'argenterie et les pommes de terre qui manquent en disant Je, je ne négocierai pas bien si je n'ai pas un service impeccable euh, avec les les, les plénipotentiaires autrichiens et prussiens. Et alors à l'inverse, mmh. le point de vue étranger confirme ce que vous dites, parce qu'il y a un moment, mais je ne l'ai plus précisément euh, en tête, euh, il y a un moment dans le livre où on cite cette fois-ci la parole... Euh d'un diplomate du Foreign Office et qui dit de se méfier énormément des, des Français, de leur sauce et de leur gastronomie parce que c'est souvent comme ça qu'ils arrivent à avoir euh, bah justement leurs interlocuteurs. Alors il y a un autre texte qui est intéressant à lire ici, c'est une petite introduction de Lucien Belli sur le changement du diplomate au XVIIIe siècle et l'émergence de la figure de l'ambassadeur. Alors voilà ce qu'il dit l'ambassadeur devient un modèle social du XVIIIe siècle, il doit, par le luxe de sa table, par le charme de ses manières, par la somptuosité de ses équipages, par l'éclat de ses fêtes, Éblouir. Les pays où il représente son maître, il est aussi volontiers collectionneur de tableaux, de curiosités naturelles, d'objets rares, de manuscrits anciens. La sociabilité et le cosmopolitisme, favorisés par la pratique de la langue française, qui devient au XVIIIe siècle la langue des diplomates et des cours, sont aussi des moyens de nouer des relations politiques, de dissimuler des discussions secrètes ou discrètes, mmh. d'obtenir et de diffuser l'information. Est-ce que oui, dans je... ce qui est dit, il y a encore beaucoup de vrai En tout cas, jusqu'après la Révolution, jusqu'au début du XXe siècle, la plupart du temps, le diplomate est issu de l'ancienne aristocratie, euh, sous l'ancien régime était un homme de cour. Euh, les entrées d'ambassadeurs, les, les présentations d'ambassadeurs aux souverains étaient des affaires euh, euh, qui, euh, je dirais, euh, mettaient en jeu la grandeur de l'État qu'ils représentaient. Hein, L'entrée de, de l'ambassade de Choiseul à Rome. Dans les années 1740, immensément, est, est un événement extraordinaire. Il y a un tableau de Panini d'ailleurs qui le représente à la bibliothèque de Versailles, qui était l'ancienne chancellerie, euh, qui est euh, qui est ébouriffant. Euh, Ces 40 carrosses, on les comme voit si comme le roi lui-même, place Saint-Pierre. Euh, tournée jusqu'au jusqu'à la résidence de, de du pape euh, et, euh, et, et toute cette dimension représentation est extrêmement importante on a d'ailleurs consacré un chapitre entier au menu diplomatique quelques quelques uns sont extrêmement jolis parce qu'ils sont illustrés et puis il Même le nom des plats est poétique il, exactement est extrêmement amusant à lire euh, et donc c'est une dimension importante qui qui est moins importante aujourd'hui mais, euh, mais un ambassadeur euh, se doit de, de représenter de représenter son pays euh, aussi le, le plus beau de, de, au... de, ouais, de manière la plus élégante possible, la manière la plus élégante possible. Alors à l'inverse, il y a aussi la magnificence des représentations étrangères hein, qui ne sont pas en reste. Et par exemple, on peut penser, vous citiez donc la réception de Choiseul à Rome, mmh. mais il y a par exemple un très grand moment au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, qui est la réception à Versailles de l'ambassade de Siam. Bon, est-ce que vous pouvez dire un mot de cette réception qui est l'objet d'ailleurs de gravures, de tableaux, elle aussi absolument splendide. Oui, c'est l'apparition d'un monde absolument nouveau Exotique. et totalement inconnu. C'est l'exotisme qui apparaît à Versailles, c'est en 1684. Les envoyés du roi de Siam arrivent à Versailles, dans la galerie des Glaces. Et, et, euh, et de façon sous-jacente, il y a évidemment, parce qu'il y a toujours derrière ces représentations, des conflits de pouvoir et des conflits politiques. Euh, le royaume de Siam est, euh, est convoité par les Hollandais. Les éternels qui demandent, hein. qui demandent au roi de France, et il demandent au roi de France de venir à leur rescousse contre les Hollandais. D'ailleurs, la France occupera le Siam jusqu'en 1688, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a évidemment des conflits de pouvoir, de force politique derrière l'apparence des réceptions, des présentations diplomatiques. Alors notre émission est avant tout une émission littéraire et j'ai été très sensible tout à l'heure quand je vous ai demandé euh, quels étaient les documents auxquels vous étiez le plus sensible ou quels auraient été les documents que vous auriez aimé voir figurer et par deux fois vous m'avez fait une réponse littéraire puisque le document qui vous touchait le plus était Stendhal et celui que vous auriez aimé voir figurer était n'importe lequel des documents diplomatiques de Chateaubriand et votre livre cet ouvrage euh, présente finalement d'autres très grandes figures littéraires qui à un moment donné ou un autre à des titres divers mmh. ont eu un rapport avec la diplomatie alors on a par exemple un Voltaire espion oui. bon ça c'est assez amusant euh, le cas le plus intéressant est sûrement celui de, de Beaumarchais parce que je crois que même en France aujourd'hui, alors à fortiori en Amérique, on ne se rend pas compte. La Fayette est resté une figure très célèbre, bien sûr, euh, même une ville qui porte son nom euh, aux États-Unis. Beau marché, euh, l'histoire ne lui rend finalement pas justice. Non, c'est l'homme des soutes et des bagages. C'est lui qui, c'est lui qui, euh, qui au fond met euh, en rapport les émissaires américains avec euh, avec les, les Français et qui. Euh, c'était un, un homme d'affaires, à Beaumarchais, et qui euh, organise les premiers envois d'armes aux insurgents américains contre la présence, euh, l'occupation anglaise euh, euh, en Amérique du Nord, et futurs États-Unis d'Amérique. Il joue un rôle extrêmement important, en effet. Ce n'est pas seulement un auteur de théâtre, de pièces de théâtre, il a été aussi une cheville ouvrière de l'entrée euh, en guerre de la France contre l'Angleterre auprès des insurgents américains à la fin des années 1770 on pense toujours que le règne de Louis XVI a été un règne pacifique mais c'est pas vrai Louis XVI a été un roi de guerre il a été en guerre contre l'Angleterre de 1777 à 1783 ou 4 euh, et, et Louis XVI, au fond, a été du point de vue de ce qu'on appelle le ministériat, c'est-à-dire cette extraordinaire association entre un roi et un premier ministre. Ça a été le cas pour Louis XIII avec et Richelieu, Richelieu mais sûr. ça a été le cas aussi pour Louis XVI avec Vergène, euh, Maurepas aussi, euh, et, et le roi du ministériat qu'il a été, au moins jusqu'en 1787, euh, mort de Vergène, a été un grand roi. On, on voit toujours Louis XVI par rapport aux états généraux, à la Révolution et à la place de la Révolution et à l'échafaud du 21 janvier 1793, mais... Et on oublie le un bilan autre... politique qui avait il y y a un un autre, Louis XVI, oui, bien sûr. Alors, c'est ce qui amène peut-être Maurice levet à dire que Beaumarchais est sans doute le Français qui aura le plus fait pour l'indépendance des États-Unis, oui. sans que ceci lui ait jamais rendu justice. Oui, voilà, infiniment plus que La oui, oui. que l'on que l'on bah, que l'on couronne une, à, long, à longueur de journée. Bien sûr. Oui. Alors la dernière figure littéraire qui est mentionnée elle est moins glorieuse, mais c'est une figure littéraire quand même extrêmement intéressante. C'est celle de Paul Morand. Alors cette fois-ci on fait un bond dans le temps puisque ça se passe au XXe siècle. Et cette fois-ci on peut peut-être un petit peu 40. Voilà, rappeler le contexte. Paul Morand donc est un diplomate. Il se trouve alors non pas en position d'ambassadeur, mais il se trouve que Paul Morand après le départ de l'ambassadeur est lui la figure diplomatique la plus importante. Mmh. Et cet écrivain à succès euh, qui a eu un destin vraiment en delta en piratine, qui était vraiment au sommet de sa carrière et qui aurait pu trouver là un couronnement. Mmh. Mais qu'est-ce qu'il va faire en juin 40 Il prend la poudre d'escampette, il s'enfuit, il rentre en France. Et même, même pas la du régime de Vichy Parce qu'en fait, il va être puni par a le régime de absolument, Vichy. Absolument, absolument, tout en dénonçant ses petits camarades de, 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 de la mission française à Londres. Il a, il, a, il a un rôle là qui est, je dois dire, assez peu brillant, infiniment brillant que ses écrits. Euh, et Dieu sait que euh, je suis un. Un admirateur et un fervent lecteur de nombre de ses romans et aussi de ses essais et des portraits de villes qu'il a écrits. Je pense à son portrait sur Venise, sur Londres, New York, euh, le Caresse, mais, mais d'un point de vue politique, euh, Morand est largement en dessous de la main. Euh, ensuite, euh, ensuite, ensuite, on sait le service qui sera le sien, le service diplomatique qui sera le sien sous le régime de Vichy, et on sait la disgrâce entre guillemets qu'il encourra. Euh, euh, sous, le, sous, sous le général de Gaulle, de Gaulle oui. avec cette ambition effrénée d'entrer à l'Académie française, euh, qu'il n'assouvira qu que très tardivement, euh, après que. En octobre 68. Oui, après que, après que les interdits aient été levés. Ça sera très mmh. long pour lui. Il le paiera très cher, au fond. Il le paiera très cher. Donc là, on Mais voit la chute voudrais... carrière diplomatique. Alors, évidemment, il y, y a ces lettres-là, il y a ces dépêches-là, ces, ces écritures, il le, le style est magnifique, le style. Le, la langue française, quand elle est diplomatique, est une très très belle langue, aussi une très belle langue. Mais ce, ce que, ce qui me touche dans ce livre, si je si je peux le dire, c'est l'incroyable diversité des des documents qui sont présentés, parce qu'il y a des, des des documents uniques, des lettres d'ambassadeurs ou des traités, mais il y a aussi des des, des choses anonymes, émirantes. des passeports, euh, des euh, des menus, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, des choses qui appartiennent à la vie quotidienne d'une époque donnée et de la diplomatie d'une façon plus générale et cet anonymat de la source moi m'a toujours beaucoup touché puis vous savez pour revenir sur ce passeport qui était essentiel il y a des cartes aussi et des cartes merveilleuses en me promenant dans les dans les linéaires d'archives du quai je suis tombé sur des cartons entiers de dessins euh, de forteresses de, de, qui représentaient des forteresses de Vauban euh, toute la délimitation des frontières on parle encore des frontières aujourd'hui euh, était quelque chose d très important donc on cartonne en carte on... Cartographier les frontières. à chaque fois qu'il y avait des cessions de territoire ou des traités, euh, euh, les géographes étaient mis à disposition pour cartographier les nouvelles frontières. Et les cartes de, des frontières, je pense à une carte de la Franche-Comté qu'on présente de la, du début du XVIIe siècle, sont aquarellées... Des euh, euh, œuvres d'art, à, à la singh. fois. Un document pratique et une œuvre d'art. Mais, mais c'est un rêve. Vous savez, c'est la phrase de Baudelaire. Pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, euh, l'univers est égal à son vaste appétit, ou que le monde est grand aux yeux d'une lampe, ou que le monde est petit aux yeux du souvenir. C'est ça, quand on est devant des cartes comme ça, on, on est dans Baudelaire. Alors la diplomatie, qui semble être le visage aimable de la politique, n'est pourtant pas toujours un modèle de vertu. Euh, et souvent un machiavélisme dans un gant de velours. Bon, tout à l'heure, on a parlé de euh, François 1er, mais vous avez parlé d'un autre document, et j'aimerais qu'on y revienne, il est intéressant, il éclaire beaucoup de notre histoire euh, presque Contemporaine et parmi les événements les plus bouleversants du XXe siècle, c'est cette fameuse dépêche d'Ems. Alors là, on assiste à un cas de manipulation diplomatique mmh. de premier ordre. Est-ce mmh. que vous voulez rappeler qu'est-ce que c'est que cette histoire de la dépêche d'Ems et de montrer quand même que parfois la diplomatie se double d'un machiavélisme aux répercussions énormes Ems est une petite ville d'eau en Allemagne. On est en été, on est en juillet de, dans les premiers jours de juillet 1870. Euh, L'ambassadeur de France est présent. Pourquoi est-il à Ems Parce que le roi de Prusse, euh, Guillaume, est à Ems. On est euh, dans euh, une période de rivalité sur la succession au trône d'Espagne, euh, autour d'une candidature. Euh, qui a été proposée par, euh, par la Prusse et, et qui est une candidature, oenz soutenue par Bismarck et soutenue par le roi de Prusse. Euh, la France fait tout pour empêcher cette candidature, pour éviter, au fond, ce qui est la a grande angoisse française du 17 siècle. Pré oui. Le précaré, autrefois des Habsbourg, euh, euh, au 19e, euh, de plus en plus des, 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 des Allemands, des Prussiens surtout, euh, euh, au nord, à l'est et au sud de, de, de royaumes, puis républiques euh, et empires français. Nous sommes sous le second. Bon euh, euh, dans un premier temps, le roi de Prusse accepte de retirer la candidature à Henselern, mais euh, le ministre des Affaires étrangères français demande à, demande à l'ambassadeur qui se trouve sur place d'aller plus loin et euh, d'obtenir un renoncement absolu du roi de Prusse à toute candidature allemande ou prussienne au trône d'Espagne. Et, et, et le, 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 roi, le roi de Prusse, qui considère qu'après tout c'est une affaire de famille, euh, euh, refuse de donner cette garantie. Mais il le fait dans des termes extrêmement courtois, en considérant que l'affaire est réglée, qu'il que n'y a pas là matière à conflit et à guerre. Euh, euh, la, la, la teneur de cette conversation entre le roi de Prusse et l'ambassadeur de France est envoyée à Berlin, euh, tombe dans les mains de Bismarck, euh, qui au fond prend de cette dépêche qui est envoyée à Berlin, ne prend que les mots qui fâchent et les phrases qui blessent, et fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un, un, un copier-coller, ouais. et, et, et fait en sorte de rendre furieux les Français qui déclarent la guerre. À, à, à la Prusse Ce qui veut dire que et la guerre début... semble avoir été déclarée par nous alors qu'en fait nous y avons été complètement poussés par une manipulation de Bismarck. C'était dans l'intérêt de Bismarck et Bien Bismarck sûr. pensait à juste titre que l'Allemagne se ferait que l'unité allemande se ferait sur le dos de la France à la suite d'une victoire militaire sur la France qui a, comme vous le savez, comme nous le savons tous eu lieu. Voilà, et avec toutes les répercussions, parce qu'on oublie très souvent de relier la première et la deuxième guerre mondiale à cette première guerre. 1870 est très oubliée, mmh. alors qu'en réalité, elle est le premier domino qui tombe dans la chaîne. Alors, à ce titre, s'il y a bien. Le un... premier domino, ce sont les guerres d'empire. Oui. Mmh. S'il y a bien un diplomate controversé que vous connaissez bien, c'est Talleyrand on a un petit peu parlé tout à l'heure. Quel type de diplomate a été Talleyrand Bon, c'est une question un peu difficile parce qu'il a été diplomate sous beaucoup de régimes, donc là aussi, sûrement, ça a dû influer. Euh, vous citez un mot très peu aimable de Chateaubriand, mais ça n'étonnera personne sur Talleyrand euh, qui dit il signait les événements, il ne les faisait pas, donc il en fait vraiment un diplomate fallot, ce que quand même euh, la mémoire populaire aura du mal à croire mmh. parce que c'est pas du tout ce qui reste de Talleyrand. Quel diplomate était Talleyrand Chateaubriand parle de façon très méprisante de la note marginale. Imposé par Talent sur les dépêches, c'est tout le contraire. Talent est un immense travailleur. Oui, c'est un homme qui, qui avance masqué. On n'est jamais plus efficace et, euh, et, et plus, et plus euh, comment dire, euh, euh, pugnace que lorsqu'on donne à croire qu'on est paresseux et qu'on ne travaille pas. Euh, vous appliquez cette règle à euh, Tal vous-même Talent. Ah, je, sais. Je, je suis malheureusement infiniment moins complexe que cet homme. Euh, et pluriel, multiple et successif, disait sa nièce et maîtresse la duchesse de d'Odino, à juste titre. Euh, c'est un homme de la précision, c'est un homme incroyablement pugnace, c'est un homme de l'État plus que de la nation, c'est un homme de la grandeur de l'État, c'est un homme qui, n'en déplaise à Chateaubriand, a probablement beaucoup plus fait les événements qu'il ne les a signés. Et, et que c'est un, un, un homme qui avait une conception des rapports du monde et une fidélité à cette conception qui, au fond, a duré 60 ans. Euh, sa vision du monde est, est à peu près à peu près en place avant la Révolution française, et il la, il la, il la portera et la fera advenir sur les fonds bastismaux de la diplomatie européenne, si j'ose dire, en 1830, avec cette tige de la balance du monde, cette alliance franco-anglaise euh, 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 pour laquelle il pensait que c'était la seule façon, c'est les deux peuples civilisés d'Europe de l'époque, deux monarchies constitutionnelles qui s'allient contre les grands les royaumes et empires autoritaires euh, de l'Est de l'Europe et du Nord de l'Europe Alors quand on pense à Talleyrand, son image est aussi indissociable, et c'est un moment euh, invraisemblable de A à Z, euh, au Congrès de Vienne. Bon, Talleyrand, c'est le Congrès de Vienne, le Congrès de Vienne, c'est presque Talleyrand, on voit ce tableau, où il n'est pourtant pas au centre du tableau, et pourtant mmh. il semble occuper une position centrale même sur le côté. Euh, Est-ce que le Congrès de Vienne, ce n'est pas finalement une espèce de, de quintessence, d'image allégorique de ce qu'est la diplomatie quand elle est portée à son paroxysme, à la fois par la nature de l'événement, ses modalités matérielles, etc. Que retenir de cet événement invraisemblable Talleyrand arrive à Vienne en position de vaincu. La France a été envahie par ça. les armées de la coalition contre Napoléon en 1814. Euh, nous sommes en 14 encore avant Waterloo. Et il va essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Au fond, euh, le, grand, euh, le grand vainqueur de Vienne, du Congrès de Vienne, c'est l'Angleterre, représenté par Lord Castlereagh, qui est un autre grand diplomate. Euh, Talleyrand va faire en sorte d'exister. Il va le faire de façon magistrale, avec cette espèce de, de sang-froid, de sens, du coup de théâtre qu'il a, qu a pu avoir, euh, notamment lorsque, alors que les, les quatre puissances principales européennes. Converse entre elles sans convier la France <laughs> lorsqu'il entre dans le, arrive, le bureau voilà. le, le, oui. le cabinet de, de Metternich, du prince de Metternich, qui est le, le chancelier d'Autriche, euh, et qu'il et qu'il parle de droit public. Et Humboldt, le représentant prussien, lui dit mais que fait ici le droit public? Et talent lui répond du tac au tac mais il fait Monsieur que vous y êtes euh, et il rappelle donc les règles du jeu. Il rappelle les règles du jeu et Talleyrand, évidemment, est un, est, un, est un homme de la duplicité, mais on pourrait dire tout autant que c'est un homme de l'honnêteté. Et que si, à un moment donné de l'histoire de la France, alors que la France était défaite, on lui a fait un peu confiance, c'est parce qu'il a toujours été fidèle et respectueux des traités, dans un certain sens. Avec tout de même quelques petites parenthèses. Nous avons beaucoup évoqué la diplomatie à travers l'histoire, les temps passés, nous sommes maintenant au 21e siècle, et quel serait pour vous le fait diplomatique et donc le document le plus marquant de notre diplomatie récente qui mériterait d'être dans une suite de Quai d'Orsay on pense quand même à un dernier grand moment de diplomatie, un moment qui est assez unanimement reconnu, comme le discours de Dominique de Villepin à l'ONU. Est ce qu'il y a un moment auquel vous pensez, un événement comme ça C'est un, un discours spectaculaire, mais qui ne mène à rien et, et, et donne simplement une explication sur la position de la France par rapport à, à l'entrée en en guerre contre l'Irak des, en faisant le bon choix, des Américains, en faisant, en faisant certes le bon choix. Oui. Le, 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 le document diplomatique important des, des dernières années, on ne le connaît pas. Il est à venir. Il est à venir. Les historiens le découvriront et l'analyseront, mais pour l'instant, on ne le connaît pas. Très bien. Eh bien, Écoutez, Emmanuel de Varesquel, merci beaucoup de votre venue Je dans l'Essonne en auteur. Dans le cadre exceptionnel euh, et un peu diplomatique du Château du Marais en Essonne, c'est ainsi que nous prenons congé de nos téléspectateurs en leur disant au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en auteur.